Notre Père qui es dans les cieux, merci pour ce moment que tu nous accordes afin d'être ensemble avec toi. Ce soir, tu nous as permis d'être là, présents, malgré les problèmes de la vie, malgré peut-être la journée que nous avons traversée, mais tu nous permets de nous retrouver sur ce plateau dans la communion fraternelle. Merci pour cette grâce, Père. Aie pitié de nous. Ce soir, nous voulons aussi remettre entre tes mains tous ceux qui sont malades. Tu les connais. Ceux qui suivent des traitements. Nous savons que ton bras n'est pas trop court pour guérir, pour sauver, pour délivrer. Nous te prions pour tous ceux qui sont malades physiquement et aussi spirituellement. Interviens dans leur situation. Toi qui connais leurs besoins, pourvois leurs besoins. Que ta main bénissante et guérissante soit avec eux. Soutiens les pères. Merci aussi pour ce projet que tu as placé devant nous, ce privilège que tu nous donnes de pouvoir témoigner pour toi à travers cette nouvelle campagne d'évangélisation que tu as placée devant nous. Nous te prions de rester au contrôle de cette campagne. Sois avec tous ceux qui auront la tâche de parler de ta part. Père, aide chacun d'eux dans leur préparation. Nous te prions également pour nos invités. Aide-nous à avoir cette envie de nous impliquer avec les dons que tu nous as confiés. Aide-nous à pouvoir les mettre à ton service, à être des missionnaires pour toi. Père, tu connais aussi le désir de notre cœur de faire l'expérience des disciples, cette expérience qu'ils ont faite dans la chambre haute. Nous voulons vivre l'unité également. Et pour cela, nous t'implorons afin que tu puisses faire un grand miracle dans notre cœur et nous remplir de ton amour. Enlève tout ce qui n'est pas de toi, tout esprit de division, guéris nos cœurs blessés. Donne-nous ton Saint-Esprit, afin que ton Saint-Esprit nous aide à discerner ta volonté. Aide-nous aussi à pouvoir appliquer cela dans notre vie, tout ce que tu nous demandes. Père, nous réclamons ton action dans la vie de chacun de tes enfants. Merci Seigneur de permettre à ta puissance de se manifester. Nous comptons sur toi, Père. C'est au nom de Jésus que nous te demandons ces grâces. Amen. Amen. Merci Marie-Rose pour cette prière qui va nous mener à l'étude de la parole. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir notre sœur Tabitha et qui a la charge de nous partager le pain de vie. Et nous allons continuer en écoutant Dieu nous parler alors que nous lui avons parlé depuis le début de cette réunion, mais maintenant nous allons écouter ce que Dieu a à nous dire. Bienvenue à toi, Tabitha. Dieu te bénisse. Il te laisse la parole. Merci beaucoup, chère famille, de vous demander plus ce soir. Bonsoir à tout le monde qui nous écoute ce soir. Alors, nous arrivons ce soir au 47e chapitre de notre étude du livre Jésus-Christ, qui prépare nous du ministère. Et l'épisode de cette partie de la Bible parle nous de ce moment que Jésus, juste avant cela, donc nous l'étude se base dans Matthieu le chapitre 19, le Matthieu chapitre 17 à partir du verset 9 à 21. Donc juste avant cela, avant le verset 9, Jésus et ses compagnons, ils passent la nuit sur la montagne, que là, les disciples, les trois disciples qui t'accompagnent Jésus, notamment Pierre, Jean et Jacques, ils trouvent la splendeur, ils trouvent la gloire céleste. Et alors qu'ils maintenant, ils arrivent le lever du soleil, ils prennent le chemin, ils prennent la route pour descendre vers la plaine, ben, les disciples sont encore absorbés dans leurs pensées,
Je t'en coupe et réfléchis là, au moment qui se t'est passé sur la montagne. Je t'en voudrais bien continuer, capable, reste encore un peu moment là-bas, à la montagne. Mais c'est une mission qui t'y peut attendre. Je t'ai besoin, retourne vers le bas, retourne vers le peuple pour continuer la mission, pour continuer justement Jésus, tu as ce ministère qu'il a besoin de continuer. Et d'ailleurs, tu déjà en la foule qui t'y présente au pied de la montagne, qui t'y peut attendre, qui peut rôde déjà Jésus peut t'aider. Et les autres disciples, les 9 autres qui t'y là-bas, qui t'y restent au bas, quand il arrive une situation que un père, il amène ce garçon vers les disciples, alors que le fils être possédé, être tourmenté par un esprit muet. Et voilà que Jésus, pour les disciples, pas capable faire ce miracle. Les disciples pas capable chasser ce démon. Et là, il y a toute une discussion qui peut dérouler au pied de la montagne, que ben là, puis accuse ben disciple d'imposteur, même ben scribe, ben pharisien qui est là présent, puis accuse ben disciple, puis dire je ben imposteur, je comment on peut dire, péricanzeut, puis dire je tout ce ben qualité parole pour humilier zeut. Et Jésus lit au moment qu'il arrive près de la foule. Nous connaissons qu'il la foule tout le temps content, comment je trouve Jésus. Donc, je peux accourir vers Jésus avec beaucoup de joie, avec beaucoup de respect, pour être acclamé, pour être accueilli parmi eux. Mais Jésus, il trouve quand même dans les yeux de la foule, des personnes qui t'y la présentent, qu'il y a quelque chose qui n'est arrivé. Et il vous pose la question à Ban Scribe même. Il dit, Jésus, mais de quoi est-ce que tu peux discuter là? C'est un silence total. Et là, c'est le Père lui-même qui peut faire un chemin pour approcher de Jésus. Et là, il peut tomber au pied de Jésus, il peut raconter à Jésus son angoisse, son problème, ce souci. Il peut dire, voilà, mon ami, mon garçon, il est tourmenté par cet esprit. Mais tout bon disciple, pas de récit, chasse ce démon. Et là, ben, disciple, ce visage tout déconcerté, angoissé, même la foule, tu peux paraître avec un visage crispé, je ne peux pas trop comprendre, et ben, scribe, je suis aussi déconcerté. Mais au fait, quand je trouve Jésus peut approcher et les 3 disciples, je remarque quelque chose d'à part, je remarque quelque chose de spécial qui tu peux paraître déjà sur ce visage. La nuit qui va là une passée en la présence de la gloire céleste, dans cette expérience merveilleuse qu'ils ont vécue sur la montagne, de cette expérience, type émane leurs visages une joie, type émane leurs visages une lumière resplendissante. Et tout le monde, il trouve cela, l'obanase de visage. Et c'est ça qui aussi quelque part met dans l'étonnement que quand Jésus il pose la question de quoi je peux discuter, je pas capable de répondre. En effet, Jésus à ce moment-là, quand le Père pour dialyse à ce problème, Jésus pour répondre à la foule et à ce bon disciple, pour dire comme ça, race incrédule, jusque à quand serai-je avec vous? Ici, quand nous peguons le mot incrédule, l'incrédulité, l'incrédule veut dire difficile à comprendre. C'est-à-dire ce manque de foi. Comme si les pédiatres, tout ça tant qu'il y a avec cela, tout ce qui se là, tout ça, parole là, tout ça, entraînement de t'ingagner là, mais je ne pas si pas si comprendre, pas si faire les choses, pas si accomplir sa ministère là à la manière qu'il demande. Et il pourrait poser, mais jusqu'à quand qui m'a avec eux. Voilà, une fois de plus, à ce moment-là, cela donne l'occasion au prince de la vie, Jésus-Christ lui-même, et le prince des ténèbres, pour se rencontrer eux sur le champ de bataille. Jésus-Christ, il est là pour accomplir ce ministère, pour accomplir sa mission, qui consiste à proclamer aux captifs la délivrance et pour renvoyer libres les opprimés.
ministère qui parle changé, un ministère de délivrance et qui envie un sauve tous les enfants. Et Satan lit pour retenir ce ban victime en ce pouvoir. Encore une fois, lui non plus, sa mission pas changée. Et là, pour assister à sa bataille-là, à sa spectacle-là, Tiena aussi, dans l'invisibilité, Tiena, ban ange de lumière, ainsi qu'un armée de ban mauvais. C'est bon, on peut continuer. Je C'est crois que bon. la connexion était coupée. OK. Oui, c'est bon. Alors, je vais reprendre à partir de comment moi tu peux dire. Donc, Tiena, ban ange de lumière et Tiena aussi, ban un armée de ban mauvais ange qui est là présent pour assister à sa lutte-là, pour assister à sa bataille-là. Et Jésus pour permettre pour un petit peu le temps encore à sa mauvais esprit-là. Pour lui manifester, lui, afin qu'il, quand il peut faire ce miracle, afin qu'il, quand il peut apporter la délivrance, la foule présente, les disciples qu'il a, toutes les personnes qu'il a présentes, capable vraiment trouver sa délivrance que Jésus pour accomplir là. Et même là, le Père, il peut être partagé entre l'espérance. Passion de nous. Ça m'a qu'il peut dire si tu es capable de faire quelque chose pour nous, Seigneur, pitié-nous. Et Jésus pour répondre ceci, une parole très très forte. Tout est possible à celui qui croit. Jésus, pas t'y manque de puissance à ce moment-là pour lui accomplir sa miracle-là. Ce qui t'y manquait à ce moment-là, c'était seulement la foi de sa papa-là. Et là, le père peine l'autre solution, peine pas trouve aucune autre issue que de faire confiance à Jésus à ce moment-là. Et là, tout en larmes et avec un sentiment de faiblesse, il implore la miséricorde du Christ en ces mots, il peut dire, je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Voilà, du moment qu'il dit à sa parole-là, je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, viens au secours de sa manque de foi qui m'a là, m'a fait croire qu'il est capable de délivrer mon garçon, m'a fait croire qu'il est capable de faire sa miracle-là, tu es dans sa puissance-là. Parce que sa parole, que Jésus, il dit tout est possible à celui qui croit là, il accepte cela. Et effectivement, nous pouvons trouver que Jésus apporte la délivrance à ce jeune garçon. Cette parole, chers amis, chères familles, Dieu peut adresser à tout à chacun de nous, il peut écouter ce soir. Il peut dire à vous et à moi, à tous ceux qui ont envie d'entendre sa parole-là, que tout est possible à celui qui croit. Nous faisons plusieurs, pendant sa soirée-là, nous faisons plusieurs sessions de prière avec différentes demandes. Et c'est avec beaucoup de foi et beaucoup d'humilité, certainement, qui nous fait monter nos bonnes prières à l'Éternel. Mais il y a tant de personnes encore qui se pensent qu'on arrive à sa stade, que je suis capable de faire sa confiance absolue à Dieu, que je suis capable d'accepter dans cette lecture sa parole que Jésus peut dire, tout est possible à celui qui croit. Oui, c'est une parole que Jésus peut envie à travers nous, capable d'adresser cela à sauvant enfants qui encore toujours dans la détresse. C'est en effet nous la foi qui peut mettre nous en rapport avec le ciel et qui peut donner nous ça la force nécessaire là pour capable résister à la puissance des ténèbres. Comment l'apôtre Paul peut dire nous, nous peinons pour lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre la principauté, c'est contre l'esprit méchant, c'est contre ban puissance des ténèbres qui nous est là pour lutter.
et sa qualité, la lutte là, nous pas capable amener au petit bonheur. Sa qualité, la lutte là, nous pas capable amener avec un la vie chrétien qui le balance tantôt penche d'un côté, tantôt penche de l'autre côté. Jésus est le seul et unique moyen sûr qui Dieu in de nous afin qu'il nous capable vaincre le péché et résister aux plus fortes tentations. D'ailleurs, Jésus, il nous modèle par excellence en toutes choses. Et une fois encore ici, en ce qu'il s'agit de ce ministère qui Jésus tient pour accomplir sur la terre, Jésus est encore une fois notre modèle par excellence. À chacun de nous, nous tous qu'il a, nous convaincus qu'il nous a un ministère qui bon Dieu in de nous. Quel que soit le domaine, quels que soient les talents, les dons qui Dieu in de nous, nous tous nous n'a pour accomplir un ministère qui commence dans nous la case, qui commence, qui étend à nous l'Église, qui étend à nos communautés, qui étend à tous ceux qui nous côtoyaient. Nos ministères sont capables de différer d'une personne à une autre personne, comment me dire, selon ce qui Dieu, les capacités, les talents qui Dieu in de nous et qui nous ont envie de mettre à son service. D'ailleurs, comme tu peux vérifier un petit peu, juste comment dire, pour capable faciliter un petit peu plus la compréhension, comme tu peux vérifier le mot ministère pour voir un petit peu vraiment pour comment nous capables comprendre, c'est un mot qui nous servit beaucoup à l'Église, ministère d'ailleurs, il y a plusieurs départements qui nous appellent eux aussi par le nom de ministère. Alors, c'est quoi ministère? C'est le service, surtout quand nous parlons dans le jargon du christianisme, hein, c'est le service qui un croyant ou une croyante lui accomplir selon un appel particulier qui Dieu lui confie lui pour son Église et pour sa mission. Donc voilà, un ministère, c'est le service qui nous peut mettre en valeur, c'est le service qui nous peut offrir, c'est comment dire sa fonction qui bon Dieu in de nous pour exercer là. Alors, à chacun de nous, comment tu peux dire, nous avons ce ministère à accomplir là que Dieu in place nous, là que Dieu envoie nous. Et nous pas, quand nous pouvons faire lit, comment. Alors ici, nous pas là ce soir pour nous accuser ban disciple, pour nous arguer un petit coup, mais que de terre qui fait ban disciple, à ce moment-là, pas capable de chasser un démon-là. D'ailleurs, Jésus pour dire, Jésus pour répondre, pour dire, ce genre de démon-là, il pas capable, n'est pas capable de chasser comme ça même. Donc, besoin est d'une prière fervente, et c'est pour la prière fervente et ban jeûne. Et Jésus aussi, là après, il pour continuer, il pour continuer, il pas pour, comment on appelle ça? Ça veut dire, c'est vrai qu'il dans un moment précis là, il pas trop apprécié la façon qu'il va ici pas réussir accomplir ce ministère, mais c'est bon, il pour continuer être là pour soutenir eux, pour épauler eux jusqu'à ce qui se mission pour terminer sur la terre. Comment le texte qui se peut trouver ici, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Et c'est justement ça que nous sommes appelés à faire en ce temps qui nous fait vivre. Alors, qui, comment motiver les autres, nous avons un ministère à accomplir et notre tâche n'est pas une tâche facile, puisque de plus en plus le temps rapproche nous vers la fin, nous devons redoubler, nous devons tripler, nous devons faire tous nos efforts pour qu'il nous capable faire montre une prière fervente et surtout aussi quand il parle de la foi, quand il dit reste incrédule, souvent ça veut dire nous capables il trouve plusieurs manifestations de la puissance divine, nous capables être témoins de la bonté, de la grâce, des bénédictions de Dieu, mais au moment qui problème arrivait dans la vie ou dans la vie d'un autre, qui nous ne pas connaître comment nous pouvons capables aider ça dimon là ou nous-mêmes nous pas connaître comment nous pouvons capables surmonter cela. Donc la solution et la réponse, il reste la foi et la prière et être ancré sur la parole de Dieu et sur les promesses que Dieu il fait nous dans sa parole. Ce même Jésus, chers frères et sœurs, chers amis, qui t'y guérit les malades, qui t'y chasse les démons quand les types est passé dans les rues, lit encore aujourd'hui ce même
puissant rédempteur. Amen. La parole de Dieu affirme nous cela, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, il nous a donné à vous et à moi ce pouvoir. L'Indien nous commande de prier pour recevoir le Saint-Esprit. L'Indien qui lui de nous ce pouvoir, lui paie de nous son Saint-Esprit et lui aussi dire qui ceux qui pour croire en lui, ceux qui pour marcher sur ses préceptes, ne pourront pas faire de plus grandes choses encore qu'est-ce que Jésus in fait. Mais où en sommes-nous dans notre ministère? Où en sommes-nous dans notre mission? La foi, il provient de la parole de Dieu, de tout ce qui nous pour étudier, de tout ce qui nous pour apprendre, de toute cette parole qui nous peut nourrir nous chaque jour. Et la haine promesse encore dans la parole de Dieu qui dit ceci, que Jésus pour dire, je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Pourquoi pour rejeter personne qui vient à moi? Alors, si nous pensons qui, si constamment, si régulièrement, nous jetons-nous aux pieds de Jésus et nous crions, je crois Seigneur, je crois qui comment te dire, rien n'est impossible à celui qui croit. Ben, moi, je crois en ta puissance, viens au secours de mon incrédulité, à mon manque de foi et permets à si, à travers cette foi qui m'en a en toi, à travers de l'esprit qui te met en moi, moi capable faire les autres comme toi, mon capable faire les autres trouvent ta grandeur, faire les autres trouvent de l'amour, mon capable faire des choses extraordinaires en ton nom et pour ta gloire. Si nous avons envie de réussir, chers frères et sœurs de notre ministère, nous bien mettons-nous à l'œuvre avec un autre état d'esprit. C'est-à-dire, c'est pas moi, c'est pas nous, parce que rien n'est fait pour notre gloire. D'ailleurs, Jésus lui-même, tout ce qu'il fait, il peut dire, c'est pour glorifier le Père qui est dans les cieux. Et nous aussi, la seule gloire doit être à Dieu. Mais maintenant, nous, la foi, il peut être affermie par, comment tu peux dire, de ferventes prières, accompagnée de jeûne et une humiliation de cœur. Nous disons comment la sœur Mylène tu peux dire, faire le vide de nous-mêmes, faire le vide en soi-même, afin qu'il nous capable d'être remplis de l'esprit et de la puissance de Dieu. Nous sommes capables de supplier Dieu constamment, continuellement, avec ferveur, avec persévérance et avec une foi, cette foi qui obéit peut-être des fois même sans comprendre, avec cette foi qui aboutit à une dépendance totale de Dieu, de sa puissance qui agit en nous. Avec cette foi qui dit à Dieu comme ça, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite, Seigneur. Avec aussi une consécration absolue au service de Dieu. C'est vrai, chacun de nous, nous n'a la vie professionnelle, nous n'a nous la vie de famille, nous n'a toutes nos responsabilités qui nous n'a au quotidien. Mais il ne faudrait pas que le travail de Dieu, living, comment dire, comment vous dire, un part-time, un petit extra job, un petit appel qui nous peut faire en surplus, living, comment dire, après tout ce qui nous peut faire. Alors, le ministère qui nous peut faire pour Jésus, parce que nous sommes appelés par Dieu pour sa mission, pour travailler pour lui dans son champ, qu'il nous confie nous, alors, l'Ibiza fait partie intégrante de nous, la vie. Et cela, il peut être possible quand nous avons cet abandon total. Quand nous capables, c'est vrai, nous pas peut travailler comme les disciples, comme les douze, c'est-à-dire nous pouvons capables aussi dire comme ça, mais les douze, pourtant, tu peux travailler à plein temps. C'était un travail à plein temps que tu fais, je passe tout ce temps avec Jésus, et malgré ça, je faillir, je connais la défaite. Mais, chers frères et sœurs, Jésus, il promet nous la victoire. Jésus, il promet nous la victoire, l'India qui nous plus que vainqueur, parce qu'il lit d'ailleurs, il finit remporte la victoire pour nous sur la croix. Alors, à vous et à moi, dans ce ministère qui Dieu il confie nous, dans cette mission qui Dieu il confie nous, même si ça paraît insurmontable, même si ça paraît difficile, comment il paraît difficile, mais avec la puissance de Dieu, avec l'intervention divine, l'est possible. Le verset 21 du chapitre de Matthieu 17 pour dire nous ceci. Si nous avons la foi, petit comme ça, la graine moutarde là,
et qui nous demande à sa montagne là, transporte-toi d'ici et jette-toi là-bas, la montagne pour disparaître de là, pour aller là-bas. Chers frères et sœurs, c'est une parole très très forte que le Seigneur peut adresser à vous et à moi ce soir. Quelle est notre montagne ce soir? Qu'est-ce qui peut représenter sa montagne là? Quelle que soit la difficulté, quel que soit l'obstacle, quels que soient les défis que la vie peut mettre devant nous, qui Satan capable peut mettre devant nous dans nos chemins, la victoire nous est assurée dans le nom puissant de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Il dit, nous, si nous avons un petit la foi comme ça, donc la graine moutarde, il a la même puissance que toute autre graine, c'est-à-dire que toute graine porte une semence, il est capable de développer quand il y a les conditions nécessaires, il peut développer et il peut grandir, il peut venir une plante, il peut donner la vie. Alors, nous, la foi, aussi petit qu'il est capable d'être, chers frères et sœurs, quand nous pouvons nourrir, quand nous pouvons connecter, nous pourrons se connecter avec ce Jésus, quand nous pourrons se connecter avec Dieu le Père, par la prière fervente, par sa persévérance-là, par l'étude de la parole de Dieu, sa petite la foi-là, il peut développer. C'est Jésus qui peut faire sa transformation-là en nous. Et il dit à nous qu'il nous faut capable de demander à sa problème-là. Pour te tirer à toi de mon avis, il dit à nous, rien n'est impossible à celui qui croit. Notre foi affermie ainsi, capable assure nous le secours de la puissance céleste. Nous, la foi qui ainsi affermie et renforcée en Christ, capable assure nous la délivrance, la victoire face à nos bonnes épreuves, face à nos bonnes difficultés, face à nos bonnes montagnes. Bon, la prière pour eux et pour moi-même ce soir, chers frères et sœurs, c'est que la mission que Jésus a de nous, certes, il paraît grand. Quand nous considérons si petits, si impuissants, je veux dire, qui nous pourra pas faire? Mais si chacun de nous nous fait un pas de l'avant, si chacun de nous nous tise effort ensemble, ça pour venir un grand effort et ça pour venir pour créer un grand tumulte. Nous, ensemble, ça crée l'union, comment on dit, ça fait la force. Donc, nous la foi, nous mettons l'étude de la parole en avant et pour que Dieu capable utilise nous dans sa ministère-là afin qu'il nous capable faire la tâche qu'il nous confie à vous et à moi. Que l'Éternel nous aide et nous bénisse. Amen. Amen. Tu pries avec nous? Oui, notre Dieu, notre Père, nous remercions toi, Seigneur, de ce qui ce soir te rappelle nous. Et toi, le Maître par excellence, de accomplir ton ministère fidèlement jusqu'à aller sur la croix à cause de nos péchés pour qu'il nous capable de gagner le pardon et le salut, la vie éternelle en toi. Seigneur, donne aussi, confiez-nous un ministère. Donne confiez-nous la tâche d'aller vers ceux qui sont perdus dans ce monde, ceux qui partent comme toi, ou qu'ils soient aussi capables comme ce Dieu merveilleux que tu es, afin qu'il y ait un bon nombre, afin qu'il y ait le maximum de personnes, Seigneur, capables d'être sauvées. Car c'est ta mission et c'est aussi notre mission. Seigneur, il paraît des fois, la tâche paraît insurmontable. Des fois, nous-mêmes, nous avons tant de difficultés qui surgissent dans la vie, qui paraît insurmontable et nous sentons-nous faibles, nous sentons-nous manque de foi. Nous demandons-toi pardon pour toutes les fois que tu nous passes à côté de la tâche qui te tient confiée, nous, que te offert nous peut-être une occasion pour nous faire quelque chose de bien, mais qui nous pas réciproque. Seigneur, pardonne-nous. Et aide-nous afin qu'il nous capable continuer. Arme-nous de ta parole. Arme-nous des promesses merveilleuses qui te fait dans ta parole. Afin qu'il te capable cultive en nous cette foi fervente. Cette foi qui, même s'il est petit comme cette graine de moutarde, est capable de demander à sa montagne-là pour lui transporter d'ici pour là-bas. Il est capable d'obéir. Seigneur, aide-nous afin qu'il nous capable continuer le cheminement avec toi
avec autant de foi qui te peut atteindre, qui nous éna, afin qu'il te parle dire de nous, race incrédule, comment te dire à tes disciples, mais afin qu'il te capable, Seigneur, quand te pévenir, te dire bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Seigneur, me prier toi pour chaque personne qui peut écouter cette prière ce soir, afin qu'il nous tous, nous capable faire l'expérience de la foi avec toi, pour demander à nos problèmes, pour les capables disparaître dans le nom de Jésus, et nous capables, Seigneur, croire dans sa parole qui te dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Donne-nous cette foi en toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Tabitha d'avoir été De rien. porte-parole et du message que Dieu a voulu laisser sur notre cœur ce soir et pour venir renforcer ce message que Dieu laisse sur nos cœurs ce soir, nous allons écouter un chant justement qui s'appelle Par la foi, que chaque parole de ce chant puisse nous être adressée individuellement ce soir. Que Dieu te bénisse, Tabitha, et que dans ton ministère et dans tous les domaines de ta vie, et écoutons ce chant avec notre cœur.
Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de ce moment d'adoration, de prière, d'intercession, de ce moment béni que Dieu nous accorde. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée bénie sur le regard de Dieu et une bonne préparation de sabbat, un bon sabbat, que nous puissions continuer par la foi à marcher avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce et continuons avec persévérance. Je vous dis à lundi à 19h55. D'ici là, que Dieu vous garde. Au revoir. Merci Natacha. Au Merci revoir tout le Tabitha. monde. Bonne Merci. préparation. Bonjour. Au Bonne préparation. revoir et bonne soirée à vous tous. Au Merci. revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir Bonne soirée Tabitha. tout le Merci beaucoup monde. Natacha. Bonne Merci. préparation. Merci Tabitha. Au revoir Merci Natacha. Margaret. Au revoir sur Merci. mardi. Au Bonne revoir. soirée. Merci à toi aussi. Merci. Bonne nuit. Bye bye. Merci. Bye. Bye-bye.